Les chiens ne font pas des chats. Papa de quatre enfants, Michel Sardou a notamment, parmi ses fils, un célèbre comédien et un auteur à succès. Mais Romain et David Sardou ont-ils su rester proches? Dans la famille, chacun a sa discipline artistique. Michel Sardou enchante les Français depuis plusieurs décennies avec sa musique et sa voix. Ses deux fils poursuivent également des carrières créatives. David est comédien et Romain s'est tourné vers la littérature. Actuellement en train de boucler son prochain roman historique, dont la sortie est prévue pour le mois de novembre 2023, il s'est accordé une petite pause pour s'occuper de la deuxième édition du festival Les Plumes d'Or Amatuel, qui se divise en trois matinées de rencontres avec des auteurs au Café de l'Ormeau. À 49 ans, Romain Sardou est déjà à la tête d'une sacrée bibliographie. La personne qui relit ses écrits pour lui donner un premier avis, j'ai ma compagne, Kim Thiriot, note de la rédaction. Que je suis capable de réveiller à 3h du matin pour une idée, explique-t-il dans les colonnes du journal Nice Matin. Et mon éditeur. Je ne veux pas multiplier les regards. Je leur pose des questions aussi, et là je vois ce qui se passe. Il y a un échange et on ne peut le faire qu'avec quelqu'un de très proche et qui peut réagir dans l'instant. Et son frère David, dans tout ça, Romain Sardou assure qu'il serait séduit à l'idée de lui écrire une pièce de théâtre, dans laquelle il pourrait s'exprimer. Romain et David Sardou ont baigné dans un monde artistique dès le plus jeune âge. Grâce à leur père, ils ont croisé des gens étonnants, des carrières et des succès qu'il était tout autant. Très tôt, pourtant, la vie les a séparés. Géographiquement parlant, en tout cas. On n'avait pas du tout les mêmes jouets. Moi, je passais déjà mon temps dans les livres et lui, c'était déjà les films, les acteurs, se souvient-il. On vivait nos passions, nos goûts en parallèle. On se chamaillait très peu. Vous savez, on n'a pas eu le parcours de frères qui ne se quittent pas. On s'est perdu de vue à l'adolescence. Il avait 13, 14 ans quand il est parti en Floride. Je n'ai pas de souvenirs de disputes entre nous. Retrouvez l'interview intégrale de Romain Sardou dans le journal Nice Matin du jeudi 10 août 2023.